Je m'appelle Henri Barret, je suis né le 17 mars 1941 à Tours. J'ai fait toutes mes études à Tours, en commençant au lycée Descartes, en classe de maternelle, si on peut dire, pour finir en classe de maths spé. Après, j'ai fait ma pharmacie à Tours jusqu'en 1967. Et entre-temps, donc, j'avais commencé le basket à l'âge de 14 ans, sur les incitations d'un professeur du Paul-Louis Courier, qui était professeur de gymnastique et qui était au TEC, et qui m'a donc engagé au TEC pendant quelques années. Après quoi, je suis passé au CEST et enfin à la SPO en 1964 avec Michel Bergeron. Et là, à partir de là, on a commencé à avoir une SPO qui s'est construite petit à petit, qui a fait venir des Américains bien connus comme Slam Dewar, Menit, DeWitt, je veux dire. Et après, on a eu LC Bowen, Reynolds, tout ça, qui ont permis de vraiment au club d'évoluer. Puis après, tous ces jeunes qui sont venus comme Sénégal, De Mars, Bello, Bono, j'en oublie peut-être et je m'en excuse. Et votre Et et si et si on notre parle meilleur souvenir après, c'était notre succès collectif en 1976 pour le titre de champion de France. Ça a été vraiment le summum de ma carrière, si on peut dire. J'ai arrêté d'ailleurs en 77 parce que j'avais l'âge d'arrêter et j'avais atteint les sommets. Et alors le plus mauvais souvenir? Alors, le plus mauvais souvenir, bon, j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs parce que le sport ne m'a apporté que des bons souvenirs, même dans les défaites. D'accord. Et Alors, bah si on voulait parler de Gilbert Racine, un petit peu, c'est un garçon que j'ai très bien connu, dont j'appréciais comment dire, la qualité humaine, qui était un battant extraordinaire, qui se donnait sur le terrain, qui ne vivait que pour le basket. Et bon, j'ai appris son décès avec tristesse, mais je crois que Racine, il est un petit peu mort spirituellement quand il a abandonné le basket, la formation des jeunes et tout ça. Et ça a été un peu une petite tristesse de le voir diminuer après, parce qu'il avait diminué moralement finalement en perdant le basket. Oui, si, je me rappelle maintenant, j'ai quand même un mauvais souvenir, c'est la finale perdue à Turin contre Milan, alors qu'on était en passe de gagner le match, on avait été un peu volé par les arbitres en nous sifflant des marchés, des passages en force, des 3 secondes qui nous ont permis de voir notre avance fondre, et Milan est passé devant et après on les a pas revus.